don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the walking dead. My family. I found them. Bonjour à tous et bienvenue pour la réaction à l'épisode 4 de la saison 1 de The Walking Dead. Alors, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, je fais l'épisode 4 parce qu'on était en retard au niveau du programme des rétro-réactions, sauf que le lundi, ce lundi-là qui arrive, il y a l'attaque des titans. Et dans 2 mois, on a la reprise de The Walking Dead le 20 ou le 25 février, et il y a l'arrivée de Viking Valhalla. Et malheureusement, ça débarque tout ça un lundi, sauf pour Viking qui arrive un vendredi. Je vais être un peu embêté parce qu'on va continuer quand même les rétro-réactions là juste après avec la saison 2. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les rétro-réactions, ça sera le vendredi. Puisque lundi, je ferai SNK et ensuite je reprendrai la saison 11 de The Walking Dead les lundis. Donc je vais devoir aussi gérer avec l'attaque des titans, mais ça, c'est mon problème. Donc voilà, on part sur un nouveau calendrier, un nouveau jour. Les rétro-réactions se feront le vendredi. En tout cas, avant de commencer, je voulais encore vous remercier parce que vraiment, les rétro-réactions vous plaisent. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour tous ces pouces bleus. C'est ce qui aide la chaîne, hein, clairement. Hein. Je vous le dis, je vois la différence entre le peu de likes qu'il y avait avant et tous les pouces bleus qu'il y a. Ça m'aide à gagner en visibilité. On fait presque 1000 pouces bleus par vidéo et ça aide vraiment. Hein. J'y croyais pas, mais oui, ça aide. Donc je comprends les gens qui le demandent à chaque fois. Puisqu'effectivement, c'est un plus pour nous, les petits vidéastes, pour se faire un petit peu voir sur la plateforme. Donc merci beaucoup de votre soutien, on est bientôt 10 000 et les vidéos marchent énormément bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 et alors, il faut qu'on fasse le petit rituel habituel, hein, on se le dit à chaque fois et je l'ai oublié la semaine dernière. Mais l'épisode 4 réalisé par Johan Renck, et alors faut savoir que le monsieur, ah bah il est bon, hein, oui, il a bossé pour Breaking Bad, pour Viking, pour Bates Motel et pour Tchernobyl. Voilà, les mecs, c'est du lourd, c'est du très très lourd, et c'est que la saison 1, et c'est que le 4ème épisode. Donc vous voyez à quel point à l'époque, on avait quand même des gens qui savaient manier une caméra, qui savaient proposer des choses. Alors, je ne dis pas que Walking Dead ne le fait pas actuellement, parce que c'est vrai que cette saison 11, même si scénaristiquement elle n'est pas terrible, au moins dans la réalisation, dans la photo, ou parfois dans la mise en scène, il y a de l'effort. On essaye. Alors, c'est sûr que c'est Fear the Walking Dead qui est au-dessus du lot, hein, parce que la photo de Fear est exceptionnelle. Mais c'est vrai que la saison 11 de Walking Dead, on ne peut pas leur enlever que oui, il y a de l'effort de fait. L'épisode est écrit par Robert Kirkman. Bien évidemment, vous le connaissez, c'est le papa, le créateur du comics The Walking Dead, le créateur de The Walking Dead. Donc, c'est intéressant de se dire que le monsieur aussi bossait avant à l'écriture des épisodes. On est à plus de 4 millions de téléspectateurs, ce qui est un gros score encore pour la chaîne. Et sur ce, ferme ta gueule le chauve et balance-nous l'épisode. Faut pas hésiter à me dire si le son est bon de ma voix parce que j'ai du mal à régler mon Blue Yeti, j'ai l'impression que ça marche pas. Le son devrait techniquement être mieux qu'avant. J'adore l'endroit où elles sont, c'est trop beau, la couleur de l'eau et tout, c'est magnifique. Oui, en plus, Andrea, elle a un gros rôle de s'occuper de sa sœur. Hein. Oh, Jim, il va péter un câble. Une ambiance, t'as peur, hein. Avec son gros pistolet, là. Gros pistolet, là, putain. En vrai, il a raison de garder la main, il pourra s'en faire un collier, hein. Cet épisode, il est génial. Jim? Dale était génial aussi. Hein. Il est dans la catégorie des Tyrese, des John Dory, quoi. On dirait pas, il avait une couille sur le menton. N'empêche, on se rend pas compte, mais Daryl, il fait partie de plein de duos excellents. Daryl Carroll, Daryl Rick. Pas faire peur à personne, mais on a un gros souci avec Jim. L'autre, il est en train de creuser des tombes, il n'y a personne qui est encore mort. Hein. Doucement, mon lapin, quand même.
là, l'autre c'est vraiment un dur à cuire, hein, putain. What he's gonna do? Surviving? You call that surviving? Put your hands off me! Comment on aurait pu croire maintenant que ça allait devenir des frères? Hey Jim. Jim, tu vas bien? Il charge de l'or, vous êtes con ou quoi? Doesn't matter, people. I'm out here by myself. Why don't y'all just go and leave me the hell alone? Then you're gonna beat my face in like Ed Pelletier, aren't you? Aïe aïe aïe, là ça l'énerve Shane, de toute façon c'est un nerveux le Shane. Après je suis d'accord pour dire que oui il fallait intervenir. Voilà des personnages ultra torturés quand même. Hein. Mais moi je sais même pas lire une carte, alors lire une carte faite avec un feutre Velleda, bah, c'est mort. Hein. Mais dans cet épisode, on commence un peu à tisser des liens entre les personnages. J'aime trop, putain. Il lui a mis un coup dans la gueule. Ah là là, dans le cul. Oh, la flèche dans le cul, ça doit faire mal. Daryl, il est ultra intéressant dans cette scène. Déjà, il veut sauver Glenn. Alors qu'on pourrait croire que c'est un mec qui veut juste récupérer son frère et qui s'en bat les couilles des autres. Ah, le pauvre. C'est dur, hein, quand même, ce qu'il vit. Hein. En plus, moi, une insolation, je peux l'attraper facilement. J'ai pas de cheveux sur le crâne. C'est-à-dire que le soleil tape direct sur mon cuir chevelu, quoi. Chevelu. Cet épisode, il est aussi là pour te montrer vraiment que les gens sont devenus méfiants entre eux. En plus, la révélation de l'épisode, elle est folle. Elle est dingue. Let's go see Guillermo. En plus, il s'appelle le gang, l'épisode. It's pretty sick, man. We were hoping more for a calm discussion. Sounds like an even trade. No sound even to me. You're mistaken. Tout qu'on va comprendre que c'est grave louable ce qu'il fait lui, Guillermo. Dans ce regard de Rick, il est exceptionnel. Oh, le Rick de saison 5, il aurait tiré dans le tas direct. Une gifle, t'as peur? Ah oui. Ultra intéressant cet épisode pour les thématiques abordées. No, I'm pretty clear. Dogs. Allez, chiens. Rick avait quand même des couilles hein, dès le début. Hein. Oh, c'est exceptionnel. I'm not here to arrest your grandson. He's with Mr. Gilbert. Come. I show. Alors pour ceux qui se posent la question si ces gens-là sont encore en vie, a priori non. Il y a une scène coupée où Rick revient et tout est dévasté, il y a des cadavres et tout. Donc soit ils sont morts, soit ils sont partis. Philippe is a nurse. Special care provider. What about the rest of your crew? The Vatos trickle in. The Vatos work on those cars. Talk about getting the old people out of the city. Vous pouvez trouver la scène coupée sur internet, hein. Sur YouTube vous pouvez la trouver, je pense. J'aime beaucoup aussi le Dale Andrea par rapport à celui des comics.
vrai que c'est tendu, hein. Oh, il a une tête, lui, mon pote. On dirait un mort. Ah ouais, putain, mais ils ont tout fait à pied. Non, mais j'ai... Maybe my bad paraphrasing. What I say. Allez, merci d'être passé, grand personnage. C'est terrible, c'est terrible. Court mais intense, hein. Quelle tristesse, putain. J'adore ce plan, Laurie qui regarde. C'est fou. J'adore ce plan aussi. Avec les cadavres et tout. C'était bien. Bien, j'adore. Parce que celui-là est extrêmement intéressant au niveau de l'écriture. On va déjà commencer par un petit passage, par deux passages qui me semblaient extrêmement intéressants pour le personnage de Laurie. Quand elle discute avec Jim et qu'il lui dit qu'il faut qu'elle protège son petit garçon, tu sens dans le regard de Laurie que d'un coup, la peur revient. Juste avant, on a appris que Jim s'en est sorti, puisque le temps que les rôdeurs mangent sa famille, il a pu s'échapper. Dans les yeux de Laurie, ça a fait tilt tout de suite. Je pense qu'elle s'est rendue compte, à cet instant précis, qu'il fallait protéger son petit à tout prix. Et à la fin, quand elle regarde Amy en train de mourir, quand elle voit Amy au sol, vous pouvez voir dans son regard la peur. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les situations qui sont passées dans cet épisode vont la changer. Et c'est pourquoi, sûrement dans la suite des épisodes, elle va essayer de trouver du réconfort dans les personnes qui pourront protéger son fils. Rick, Shane. Et on le voit bien à la fin de l'épisode. Elle crie « Shane, qu'est-ce qu'on fait ? Shane, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'elle sait que dans ce genre de situation, c'est Shane qui va l'aider. Parce que Rick est parti. Et donc après, tout ça, ça va créer des tensions avec ce triangle amoureux, qui elle aime entre Shane et Rick, qui pourra vraiment protéger son enfant, puisque dans les paroles de Jim et dans la mort d'Amy, c'est à mon sens ce qui va vraiment faire comprendre à Laurie que son petit Carl n'est pas immortel et qu'elle va devoir agir et trouver des gens pour les aider. Donc déjà dans l'épisode, même si on s'y attarde pas beaucoup, il suffit de 30 secondes par-ci et 30 secondes par-là pour déjà travailler, je trouve, très bien le personnage de Laurie et son rapport qu'elle a avec son fils et les autres. Au-delà de ça, l'épisode aussi parle vraiment de la confiance qu'on a envers les gens. Et surtout, le prix d'une vie humaine. Rick, accompagné de Daryl, T-Dog et Glenn, partent à la recherche de Merle. Et bien que l'entente est extrêmement compliquée entre Rick et Daryl, petit à petit, les tensions vont s'apaiser puisqu'on va comprendre que tous les deux, ils veulent la même chose, récupérer Glenn. Et dans la scène où justement, Daryl est prêt à tout pour récupérer Glenn, hein, il était prêt clairement à foncer sur la bagnole s'il n'y avait pas eu les rôdeurs et les autres qui l'ont agressé. Là, tout de suite, il y a un petit revirement pour le personnage, c'est qu'on se rend compte que c'est pas seulement qu'une brute qui réfléchit avec ses pieds. On sent qu'il est humain, qu'il avait envie de récupérer Glenn. Il y a aussi un passage qui est super, c'est quand tous ensemble ils discutent après avoir rencontré donc le gang, vous savez très bien de quoi je parle. Il se pose un petit peu la question de est-ce que Glenn mérite qu'on le sauve. Eric a une parole extrêmement sensée et très humaine. Glenn l'a sauvé alors qu'il ne le connaissait même pas, donc bien évidemment qu'on va le récupérer. Et en plus, on a Daryl qui au début était pas chaud, puis finalement qui se dit « Allez, ok, on y va, tu as raison. » Donc, on humanise les personnages et on fait aussi comprendre que dans ce monde, même si on n'a pas confiance aux gens, même si c'est dur de faire confiance à tout le monde à cause de tout ce qui se passe, hein, la vie humaine, c'est ultra précieux. Et j'aime beaucoup ce que véhicule cet épisode. Puisqu'en plus de ça, on renchérit derrière avec ce fameux gang
qui finalement n'est même pas un gang, hein, les apparences sont trompeuses, et le chef Guillermo le dit à Rick, et tous ensemble, ils aident des personnes âgées. Donc c'est là qu'on se dit que les apparences sont vraiment trompeuses. On va s'attarder aussi un petit peu sur Andrea et Dale. On comprend vraiment que Dale voit Andrea un peu comme une enfant qu'il n'aurait jamais eu. Plusieurs fois, il l'observe du haut de son camping-car, plusieurs fois, il lui parle. Voilà, moi j'aime beaucoup le personnage de Dale parce que c'est vraiment la sagesse. C'est un peu pour moi le personnage qui rejoint John Dory, Tyrese ou même Herschel. C'est des personnages qui ont bon fond. C'est des personnages qui sont humains, qui sont gentils. C'est un épisode aussi qui amènera plein de tensions puisque Rick n'était pas là au moment où les rôdeurs ont attaqué. Oui, celui qui devait protéger sa famille était justement ailleurs en train d'aller récupérer Merle, une personne que pas beaucoup de gens avaient envie de retrouver. Tout ce qui s'est passé va rattraper un petit peu tout le monde. Ils vont se rendre compte qu'effectivement, le camp, c'était bien 5 minutes, mais les rôdeurs sont toujours là, la mort est présente. C'est un épisode qui est ultra important pour nos personnages. Pour beaucoup de nos personnages. Pour Rick, pour Shane, pour Laurie, pour Carl, pour Dale, Amy, Daryl. Bon, Amy, non, Andrea plutôt. Ah, c'est un épisode qui est complet, il est assez rythmé. Les dialogues sont excellents, les personnages sont un peu plus mis en avant. Effectivement, on les voit tisser des liens entre eux, ce qui va donner par la suite Rick, Daryl, Rick, Glenn. Voilà, c'est extrêmement bien fait. Voilà pour la réaction à l'épisode 4 de The Walking Dead. J'ai vraiment hâte de faire le 5 et le 6. Hein. Le 6 va être très intéressant en rapport aussi avec World Beyond et sa scène post-générique. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien, dis-moi en commentaire si tu as aimé l'épisode ou non. Et puis aide, tu nous manqueras.